Bienvenue à tous pour cette rencontre qui s'annonce palpitante, se dessine petit à petit l'identité des qualifiés pour la phase à élimination directe. Le stade est plein, l'ambiance monte, ça danse, ça chante depuis plusieurs heures maintenant. Cette compétition a quand même une saveur particulière, aussi bien pour les fans, on voit bien, mais également pour les joueurs. On va évidemment se régaler car il y a beaucoup de talents sur la pelouse aujourd'hui. Porto a son port, ses magnifiques ruelles et son Estadio de Dragão. Trois lieux à visiter impérativement. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Dans la profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Sliti, le centre. La Tunisie qui cherche l'ouverture. Passe. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. C'est repoussé par la transversale. Coman. Le ballon dans la profondeur. Quelle précision. Il tire. Et c'est le ballon en but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Il était tellement bien placé, forcément, ça va le fond. C'est très, très bien joué, là. Il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Et ils essaient de repartir de derrière. La Tunisie qui peut avancer. Allez. Oh, Benzema. C'est bien donné. Le bon dribble. Allez jusqu'au bout. Oh, et but. Le but. Attention à ce rythme-là, ça va finir par faire très mal. Le break est fait, on est reparti. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Long ballon dans le sens du jeu. C'est récupéré facilement. La faute. Sans se livrer. Coman. C'est joué long. C'est bien fait, ça. Il s'impose physiquement dans ce duel. Kasri. Ça joue long vers l'avant. Il va
provoquer. En retrait pour repartir proprement. Sliti. Le ballon sort en touche. Et ça va vite sur l'aile gauche. Et le ballon est sorti. Touche. Tolisso. Et ce ballon jusqu'à l'autre aile. Et cette longue transversale sur l'autre aile. Avec Kanté. Il était bien présent. Il déclenche son sang. Il met la tête. Et il manque le geste décisif. Il a mis tout ce qu'il avait, mais il a un peu forcé son geste. Il est bien placé. France qui mène toujours au score alors qu'on s'approche de la mi-temps. Il cherche la profondeur. Il est passé à toute vitesse. Oh, la frappe! Et c'est dedans! Il n'a pas tremblé. Formidable! Au meilleur des moments possibles, juste avant la mi-temps. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Il ne compte plus maintenant qu'un but de retard. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Belle intervention. Tolisso. C'est joué long. Griezmann. On ne s'est pas ennuyé. On a vu les buts et tout reste à jouer en seconde période. On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Moi, je trouve qu'on a vu une première période ouverte et équilibrée entre deux équipes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour faire la différence. Vivons la suite. La France qui mène donc 2-1 à la pause. C'est un match qui est encore loin d'avoir livré son verdict. Le coup d'envoi de cette seconde période a donc été donné. Peut-être une occasion pour Griezmann. C'est osé. Bonne lecture de la trajectoire. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Kimpembe, il change le jeu. Changement d'aile. Bien tenté. Il est tout seul. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Quelle vitesse, impressionnant. En la profondeur, bien vu. Griezmann! Oh, c'est dedans! Début d'avance, la différence est faite. De très très loin, il n'a pas eu peur. Oh, non, je chambrais un peu les gardiens sous ces tirs de loin. Et maintenant, je
reparti et il y a maintenant 2 buts d'écart. Alors là, s'ils se font rattraper au score, l'entraîneur va leur souffler dans les branches. Comme quoi cette mi-temps leur a fait beaucoup de bien. Dans la profondeur. Oh, le bon ballon. L'interception, bien joué. Le corner est joué court. Mbappé. Et il cède sous la pression. On passe en retrait vers son défenseur. Long ballon vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. L'occasion peut-être pour Gasly. La Tunisie qui récupère ce ballon. Attention, la frappe. Et l'arrêt, magnifique. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi je la voyais dedans. Mbappé. Et le ballon continue de lui coller au pied. Et c'est bien par-dessus. Cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Nouvelle touche. Et le ballon a franchi la ligne. Chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça expliquer? Ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Ce contre peut très bien aller au bout. Gasly. C'est joué long, attention. Il cherche son coéquipier. C'est vraiment passé tout près sur ce contre. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. C'est une remise en jeu. Griezmann, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Il va au duel. Plus que 10 minutes dans ce match. C'est joué dans la profondeur. Il tente de la jouer dans l'espace. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Hernandez, qui a donc offert un but à son coéquipier. C'est un bon ballon. C'est une occasion, ça. Ils auraient pu tuer le match, là. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. Il va falloir être précis. Touche maintenant. Avec Coman. Le centre dans la surface. Ballon en profondeur vers Benzema. Benzema. Oh, l'intervention magnifique! Oh, quel bel arrêt! Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. L'arbitre siffle, le match est terminé. Ils s'imposent et peuvent fêter ce magnifique succès avec leurs supporters. Le talent fait toujours la différence, que c'est bon d'en avoir une nouvelle preuve aujourd'hui. 3 sur 3, 100% de réussite, 3 matchs et 3 victoires pour eux dans cette compétition. C'est parfait. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous êtes.